Mesdames et messieurs, soyez salués, partagez le direct, invitez vos amis. On va parler. Soyez salués, partagez le direct. Maintenant, où ça a commencé à être droit sur Papa Telazam, il a commencé à se poser la question. Et donc, on nous embêtait quand on dit Zeléaka Zézaïdi, il fait jour. C'est pas grossier, mais comprenez seulement. Zeléaka Zézaïdi. Partagez le direct. Chez moi, ça va bien. Faites monter le mercure. Quartier, tout le monde se porte bien. Le boutiquier du quartier, il a créé super marché. Petit coin Dieu qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. Zeléaka Zé. On t'avait parlé. Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se bat bien. Chez nous, en gagnant un kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi, forma, que moi qui t'embrouille. C'est les Akasi. Le petit bien d'à côté là. Aujourd'hui, il a créé super marché. Petit quartier, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec là, ses enfants. Construis sa maison là. C'est les Akasi. Chez nous, nous, on est tranquille. Je t'avais parlé, celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine, demain tu vas te retrouver sur le terrain. Merci pour le cœur. Et puis moi je t'invite à Yamso. Après il va vous saluer. Tu n'as même pas encore commencé, c'est toi qui crie sur le bout. Good job là. Ça, c'est le million garçon. Comment tu vas, mon frère? On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, celui qui va diriger l'équipe là. Partagez, on va atteindre 200 personnes. Change pas de couleur. Dis-moi ce qui ne va pas là. Il est pas habillé. Il a pris soleil 600 euros. S'il n'est pas payé pendant 6 mois, c'est normal qu'il devienne braqué sur la route. C'est la casse. Je t'avais prévenu. L'opa. Un banaté. Lui là. Confiance. Faut pas lui donner ta confiance parce que après il est bien chez vous. Les médias ont parlé, je suis fatigué. Je peux plus utiliser. Je suis vraiment fatigué là. Je peux plus commander l'équipe, mais j'ai mon petit capitaine qui est là là. Si demain Dieu donne, c'est lui qui va diriger ce drapeau là. C'est la case. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Côte d'Ivoire, nouvelle, s'il vous plaît? Le petit, il est capitaine. Dans lui son frère, ça. Il y a Bombolo, c'est son nom. A dit Tomata aussi, à son nom. Quand il fera deux jours là. Lui aussi, il a son nom. Le fauteuil de Yabombolo, c'est pas le fauteuil de Sami Succès. Là où tu es assis là.
je t'ai parlé. Ça va plus bien de mon vrai là. Donne la Côte d'Ivoire la couronne à ces âges de guerre. Conseiller de maison à Abidjan, c'est devenu salaire de ministre. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes chers frères abonnés, mes chères soeurs abonnées, mes mamans, mes followers, soyez salués. Ivoiriennes, Ivoiriens. Votre humble serviteur, le Seni Kibafori Diomandé. On est ensemble encore ce soir. Alors, comme j'avais donné, je vous avais convoqué ici ce soir pour qu'ensemble on vienne parler de l'actualité bouillonnante de la situation politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je suis devant vous ce soir, avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Et j'aimerais partager avec vous ce soir cette joie. J'aimerais ce soir m'entretenir encore avec vous comme d'habitude. Et puis, mesdames et messieurs, Yabongolova Zereyakaze. Alors, de quoi sera-t-il question aujourd'hui? Vous avez pris le temps de voir un peu le titre de ce jour. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais passer, comme d'habitude, aux différentes salutations de mes followers, mes amours. Et je vais commencer par une charmante maman. Maman Binette Kwame, depuis ta position, sois saluée. Parce que quand tu mets d'abord la femme au cœur de toutes tes actions, mon frère, tu as plus de chances pour prospérer dans ta vie. Alors, Maman Binette Kwame, sois saluée. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Merci beaucoup pour votre engagement au service de la nation. De quelque manière que ce soit, à votre humble niveau. Je salue au passage ma très chère grande maman, Nikale Traoré, depuis ta position. Je salue ma grande sœur chérie, Sorai Kim, depuis sa position. Je salue ici Salimata Djarasouba. Chère sœur, sois saluée. Alors, j'avais vu un commentaire tout à l'heure qui m'interpellait sur quoi, là là. J'ai pas. Eddie. Martinez Gay dit que le CENI, j'avais dit ce matin que je voulais faire partie de ton équipe. Pourtant, j'ai bien dit que j'ai reçu des centaines de contacts que je suis en train de recenser. Donc, s'il te plaît, tu peux me contacter en privé. C'est-à-dire, tu m'envoies un message et ton numéro sur Messenger. Si tu as mon numéro WhatsApp, directement, tu me contactes en WhatsApp. Quand tu n'as pas le WhatsApp, il faut me contacter en Messenger. Et puis après, moi, je te contacte par WhatsApp. Et en me contactant en Messenger, il faut m'envoyer ton numéro de WhatsApp. Mesdames et messieurs, alors, moi, j'ai eu l'honneur dans la nuit du dimanche au lundi de changer avec nos leaders ici qui sont, d'après les gens, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la part de M. Ouattara. Mais Maître Bamba Afousiata Lamine, c'est elle son travail, elle a produit un communiqué qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux déjà. Vous avez vu, nous tous, on a pris la peine de relayer ce communiqué. Maître Bamba Afousiata Lamine
Maître Robinson et puis le troisième avocat de M. Guillaume Soro, ils sont tous français. Alors, de quoi il s'agit? Cette affaire de Guillaume Soro sera expulsé, estradé. Bon, je ne sais même plus c'est quel thème il faut employer. Moi, je suis venu ce soir pour vous dire, en toute honnêteté, que ceux qui vivent en France depuis longtemps, et même pas depuis longtemps, ceux qui vivent en France, qui connaissent un peu le système français, seront mieux placés pour vous instruire sur la question d'actualité, c'est-à-dire Macron a dit ça, Alassane a fait ça, Guillaume Soro a fui, Guillaume Soro, tout ça c'est quoi? Nous on vient, on vous dit, il n'en est rien. D'ailleurs, dans le communiqué de Macron, Macron dit que nous ne souhaitons pas sa présence sur le sol tant que il se permettra de pratiquer des activités de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est le français Macron a dit. Tant que, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous n'avons rien contre Guillaume Soro. Nous voulons que Guillaume Soro reste en France, mais nous ne pouvons pas accepter qu'en étant sur le sol français, il fasse ceci, il fasse cela. C'est très simple à comprendre. Alors, mon papa a pour l'habitude d'héberger les étrangers chez lui à la maison. Souvent, même nous-mêmes, on n'a pas de place. C'est-à-dire, il vient, au moment ton sommeil est profond, intéressant, il vient, il tape à ta chambre, il dit, bonjour, il y a un étranger, toi, il faut aller, va, débrouille-toi d'ici demain matin. En tout cas, moi, mon étranger doit dormir. C'est comme ça, nous, on a été élevés. Moi qui vous parle, sérieusement, c'est comme ça, nous, on a été élevés. C'est-à-dire, mon père, il est jusqu'à aujourd'hui, ça se passe. Mes frères, mes soeurs, mes mamans pourront vous témoigner. Hein? Alors, le vieux, c'est, je ne sais pas, il a quel problème, mais lui seulement là, on dirait, il y a aimant entre lui et les étrangers. C'est-à-dire, quand il y a étranger net, on dit, bon, c'est bon. Donc, quand tu as un étranger chez toi, et que matin, l'étranger, il se lève, il se brosse dans la cour. C'est-à-dire, au lieu d'aller se brosser dans la douche ou bien voilà, mais lui, c'est dans la cour, lui, il se brosse. Devant tout le monde. Mais le propriétaire de la cour, il dit à l'étranger, il dit, ah, vraiment? Le propriétaire de la cour dit un peu que, bah, attends, écoute, mon frère, vraiment, si tu veux rester ici dans moi, ma cour là, moi, chez moi, là, on ne se brosse pas dans la cour. Moi, chez moi, on ne se brosse pas dans la cour. C'est dans la douche. Dans la salle de bain, on se brosse. Mais c'est légitime, c'est ça. C'est le règlement intérieur de la cour que le monsieur a dit à l'étranger qui vit sur sa terre, qui vit dans sa cour. Donc, Macron n'a rien dit pour, je vais dire quoi, pour désavouer Guillaume Soro. C'est pourquoi hier, je m'en veux aujourd'hui parce que j'étais face à un bélier du restaurant hier dans un débat sur Ivoire TV.net. Quelque chose m'a échappé. Quand il s'agit de parler des propos de Macron, je voulais rappeler à mon interlocuteur, je profite en même temps pour rappeler aux uns et aux autres, que Macron n'a pas désavoué Guillaume Soro. Guillaume Soro, publiquement en France, ici, le samedi 24 passé, 24 septembre, ou octobre, voilà, octobre, Guillaume Soro a dit, on était à une réception où il nous a invités, on est parti manger, machin, et il a dit publiquement, les vidéos existent, il dit, en France, ici, là, Ouattara et moi, nous nous sommes battus. Il a arraché Le Drian, j'ai arraché Macron. Mais est-ce que dans l'interview du Macron, Macron a dit que Guillaume Soro, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Non, Macron n'a jamais fait cas de cela. C'est ça qu'on appelle un désaveu. Si Macron, dans son interview qu'il a accordé à Jeune Afrique, disait que Guillaume Soro n'est pas son ami, disait que Guillaume Soro, là,
n'est pas, lui n'est pas avec Guillaume Soro. On pourrait parler de désaveu. On pourrait dire que ah, Macron a désavoué Guillaume Soro. Il n'a pas été question de ça. Macron n'a jamais dit que Guillaume Soro, ce qu'il a dit dans un restaurant, ça n'engage que lui. Mais par contre, Ouattara a dit un jour que lui, son ami, c'est Macron. Un jour, Macron a accordé une interview où, dans laquelle Macron a dit que lui, il n'a pas d'amis. Ça, c'est un désaveu. Donc, la différence entre un désaveu et une position donnée, il y a une nuance. Macron a été clair. Macron a dit qu'il veut bien que Guillaume Soro réside en France. Parce que ce que je m'apprête à vous dire ce soir, c'est simple. Guillaume Soro n'est pas clandestin en France. Et c'était là ma joie. Pour ceux qui connaissent le système français ou bien européen, c'est pas comme en Côte d'Ivoire ou un Burkinabé quand il arrive en Côte d'Ivoire, qu'il ait papier ou pas, bon, il fait ce qu'il veut. Non. Guillaume Soro, ici en France, est en situation régulière. Je recommence. Guillaume Soro, en France, est en situation régulière. Ça veut dire quoi? Guillaume Soro en France, là. Macron sait où il dort. Les autorités françaises savent. Le service secret français surveille nuit et jour Guillaume Soro. Donc, c'est pas n'importe qui. Il a tous les documents qu'il faut pour aller et venir en France. Donc, vous pensez que la France, un jour, s'élève comme ça? C'est Macron, là. Ici, on respecte la séparation des pouvoirs. La Côte d'Ivoire a à peu près le même système d'État que la France. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, on a trois grands pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui est représenté, qui est, je veux dire, présidé par le président de la République. Il y a le pouvoir législatif qui est, comment dirais-je, la justice qui fait, voilà, la justice pardon, pouvoir législatif, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat. Donc, le patron du pouvoir législatif, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et ensuite, sinon, et enfin, il y a le pouvoir législatif, judiciaire, pardon. Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. En Côte d'Ivoire, comme ici en France. Mais comme en Côte d'Ivoire, le pouvoir du président de la République est tellement énorme qu'on ne sent même pas la justice en Côte d'Ivoire. Bon, on va dire même en Afrique, mais comme on est situé dans le cas espèce de la Côte d'Ivoire, tellement en Côte d'Ivoire, le pouvoir du président est excessif, est grand, est énorme. On ne sent pas qu'il y a une justice. On se dit, quand Abdou Richard convoque quelqu'un net, on dit c'est Alassane Ouattara. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Monsieur Ouattara et qui ne respecte pas la séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais ici en France, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. Donc, quand il y a un problème de justice ici en France, Macron n'a aucun droit, Macron n'a pas le pouvoir d'interférer dans le débat judiciaire ici en France. La France, là, Macron est né pour venir trouver ça comme ça. Ce n'est pas au temps de Macron, parce que Le Drian ou bien qui doit être ami avec Ouattara, il ne peut pas changer ça. Ça existe en France avant la naissance de Macron. Donc ce n'est pas Macron qui va changer ça ici en France. Mais chez nous en Afrique, quand un président vient, en fonction de son humeur, il change les donnes. Il ne respecte aucun pouvoir. Tous les pouvoirs sont. Le pouvoir judiciaire est inféodé par l'exécutif. Donc, on ne comprend plus rien. C'est pourquoi, ici en France, Macron n'a pas le pouvoir de dire que Guillaume Soro doit vivre ici ou pas, tant que, sur le plan judiciaire, Guillaume Soro n'a pas de problème de justice ici et qu'il est en situation régulière. Il vit comme il peut, comme il veut en France. C'est comme ça. Et donc, quand je dis ça, je vous invite à aller consulter
sur nos différentes pages le communiqué des avocats français de Guillaume Soro. Si c'était un avocat ivoirien, on peut dire bon, il est en Côte d'Ivoire là-bas, lui, bon. Un avocat, Guillaume Soro, Bamba Afizata Lamine là, elle est docteur en droit. Elle est avocat au barreau de Paris. Donc, si on parle trop Afouzata, ils vont dire, ah non, 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 Afouzata, bon, c'est la complice de Soro, c'est la camarade de Soro, c'est rentré ici. Bon, je laisse Afouzata juste de côté. Et je vous parle de deux autres avocats français. C'est-à-dire, eux là, ils sont nés français. D'accord? Eux, ils sont nés français. Qui n'ont rien à voir avec Maître Bamba Afouzata Lamine. Donc, quand on vous parle des avocats de Soro, on fait allusion aussi à ceux-là. Ce n'est pas seulement, je veux dire, Afouzata qui est l'avocat de Guillaume Soro. Guillaume Soro, ici en France, a ses avocats qui, n'est-ce pas, travaillent nuit et jour pour mettre hors d'état de nuit les mandats fla-fla de M. Ouattara. C'est en cela que nous interpellons tous les Ivoiriens épris de paix et de justice pour leur dire que M. Guillaume Soro va bien, que M. Guillaume Soro n'est en aucun cas inquiété, que M. Guillaume Soro est en situation régulière ici en France. Alors, aucun mandat d'arrêt de M. Ouattara ne pourra inquiéter, perturber, je dirais, la quiétude de M. Guillaume Soro. Donc, je voulais vous dire qu'en dehors de Maître Bamba Afouzata Lamine, qui est avocat de Guillaume Soro, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, il y a juste à côté d'elle Robin Binsar, qui est aussi avocat français de Guillaume Soro au barreau de Paris. À côté de Robin, il y a Charles Kossigny, qui est aussi avocat de Guillaume Soro, avocat français au barreau de Paris. Donc, tout cela se sont réunis ce soir pour produire un communiqué, pour dire aux Ivoiriens, le mandat de M. Ouattara que vous voyez sur les réseaux sociaux, en fait, c'est un mandat pour satisfaire un peu la conscience de ses militants. Guillaume Soro, ses avocats ont produit un communiqué pour dire, le mandat que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est une feuille qui est bourrée d'écriture, sinon ce n'est pas un mandat d'arrêt qui peut inquiéter un homme comme Guillaume Soro. D'ailleurs, ce n'est pas un mandat en bonne et due forme. Parce qu'un mandat d'arrêt relève du domaine de la justice. Mais ce mandat d'arrêt est transmis par le ministère, par le ministère des Affaires étrangères ivoirien. Mais attends, depuis quand le ministère des Affaires étrangères traite un mandat d'arrêt? Je crois qu'ils ont confondu la justice à la diplomatie. Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc, nous sommes mieux placés de vous dire, en fait, en réalité, le mandat de M. Ouattara, c'est une manière de montrer à ses militants que franchement, comme j'avais promis, parce que je vous rappelle que pendant la campagne présidentielle de M. Ouattara, il a promis à ses militants que dès qu'on dépasse le 31 octobre, dès que lui se proclame président de la République, qu'il ferait tout pour faire estrader Guillaume Soro et le mettre en prison à perpétuité. Vous avez tous entendu ça. Donc ça, c'est une promesse de campagne de M. Ouattara à ses militants, qui continue de le croire. Donc, comme M. Ouattara veut tenter par tous les moyens aujourd'hui de démontrer à ses militants que lui, il est prêt à respecter ses promesses de campagne. Ses promesses de campagne, la plus grande promesse de campagne que M. Ouattara a fait à ses militants, c'est de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse extrader Guillaume Soro pour le mettre en prison à perpétuité. Donc, pour joindre l'acte à la parole, qu'est-ce que M. Ouattara doit faire dans ce cas? Il doit poser des actes visibles pour qu'on dise que, ah, vraiment, il est décidé de tenir sa promesse, celle de faire revenir, celle d'estrader Guillaume Soro et le jeter en prison. Donc, il produit un communiqué pour dire, bon, ce que je vous avais dit pendant la campagne, maintenant, aujourd'hui, voilà, je lance un mandat
Parce que pour extrader quelqu'un, il faut passer d'abord, c'est tout un processus. Donc, il faut passer par un mandat d'arrêt qui sera exécuté, ensuite extradition après. Je vous dis, je prends un exemple simple. François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, vit ici en France depuis 5 ans. Mais depuis plus de 5 ans, depuis la chute de son grand frère en octobre 2015, François Compaoré est frappé par un mandat d'arrêt international. Donc le Burkina demande à la France de faire extrader François Compaoré. Depuis 5 ans, il vit encore en France. François Compaoré n'a jamais été président de l'Assemblée nationale dans son pays. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, on se lève pour dire, bon, comme Ouattara s'est bien réveillé aujourd'hui, il a bourré son ventre, il a bien mangé, il est content. Il dit, bon, il claque son doigt, il dit, bon, envoyez-moi Guillaume Soro. Si c'était le cas, ce n'est pas la première fois que M. Ouattara envoie un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro ici en France. C'est la troisième fois. Ça veut dire trois mandats d'arrêt émis à l'encontre de Guillaume Soro par M. Ouattara. Le premier mandat d'arrêt a été délivré depuis le 23 décembre 2019. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. Ça fait combien de mois? Donc 11 mois que ce premier mandat est... Quand ils ont passé, on dirait quand ils lancent ce mandat là, ils s'arrêtent à l'aéroport et puis ils jettent. Donc le mandat n'est pas arrivé ici en France. C'est tombé entre la France et la Côte d'Ivoire, peut-être même dans la lagune Ébrier ou bien dans la mer. Ça, c'était le premier mandat. Et le deuxième mandat, c'était en avril. Ils ont décerné un autre nouveau mandat, puisque l'ancien, comment dirais-je, le premier qu'ils ont émis le 23 décembre a été déclaré caduc. Ils ont renouvelé encore en avril 2020 un nouveau mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et ils ont jeté, mais ce n'est pas arrivé ici en France. Ils viennent de délivrer un autre qui ne respecte même pas les formes d'un mandat normal. Donc ça, là même, là, ils ne vont même pas s'arrêter pour jeter ça. Dès qu'ils ont fini d'écrire, on leur dit, mais c'est connerie, il ne peut plus renouveler, donc ils ont laissé. C'est pour vous dire quoi? Excusez-moi, j'ai un appel. Allô? Oui, allô? Oui? C'est qui? Ah, grand frère, comment tu vas? Oui. 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 D'accord. Merci. Oh, tout à fait. Ah, merci beaucoup, grand-père. Oui. Merci beaucoup. Mais. Et il te dit, ah, ok, merci, grand-père. Merci. Tout à fait. Ah, ok, merci grand frère. Merci beaucoup grand frère. Merci, au revoir. Excusez-moi, c'était un grand frère du PDCI qui m'appelait. Alors, donc, voyez-vous, M. Ouattara est dans du faux. Et donc, j'ouvre une petite parenthèse pour dire. J'étais face à un individu hier qui disait, parce que dans mon intervention, j'ai eu à dire que M. Ouattara était un rebelle. Il est rentré dans tous ses états. Je ne permettrai pas, je ne. Pour lui, en disant tout ça, c'était pour me distraire. Non, nous, on ne peut plus être distrait dans le débat politique. Excusez-moi, mais c'est avec humilité que je dis ça. Non. Nous, on ne peut plus se laisser distraire dans un débat politique. Jamais. Ça, Guillaume Soro nous a préparé à ça. Donc, pourquoi j'ai dit M. Ouattara est un rebelle? Et un rebelle, là, c'est celui.
Est-ce qu'un bon, un rebelle, un génocidaire, il ne respecte pas la loi? Il ne respecte aucune loi. Monsieur Ouattara, il dit que lui, il a fait l'élection, lui, il a tenu à faire l'élection le 31 octobre parce que le 31 octobre est inscrit dans la Constitution. Donc, c'est une date constitutionnelle. Donc, il faut la respecter. Vous voyez, ça, c'est le comportement des vrais voyous. C'est-à-dire, ce qu'il arrange là, il trie et puis il dit aux gens, il démontre, il tente à démontrer devant tout le monde que vous, en fait, ça là, c'est pas parce que ça m'arrange que je tiens à faire, mais c'est parce que c'est la loi qui dit ça. Ça, c'est le comportement du RHDP, à commencer par Alassane Ouattara. D'accord? La date du 31 octobre, vraiment, c'est une date constitutionnelle. Il faut la respecter. Mais on ne la respecte pas à n'importe quel prix. Est-ce que pour juste respecter une date constitutionnelle, on doit décapiter des Ivoiriens? Non, soyons sincères. Je suis d'accord qu'on respecte la date constitutionnelle de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le dernier samedi du mois d'octobre. Ok. Mais est-ce qu'on doit la respecter à tous les prix? À n'importe quel prix? Moi, je dis non. On ne respecte la date constitutionnelle lorsque toutes les conditions sont réunies pour la respecter. Je veux dire quoi par là? Je donne l'exemple de 2005. En octobre 2005, est-ce qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Non. Oh! Le 31 octobre 2005, c'était une date constitutionnelle. Bon, ou bien je vais dire, mettez le cœur, il y a Fanta Traoré. Je ne sais pas si c'est une maman. Bon, il a pris le nom d'une maman, sinon je vois la photo d'un homme. Fanta Traoré Malika. Bon, des bâtards comme ça. Je vais la bloquer. Voilà. Mettez le cœur. Donc, en Côte d'Ivoire, là, Babou Laurent n'a pas dit en octobre 2005 qu'il fallait forcément une élection présidentielle. Pourquoi? Parce que les conditions n'étaient pas réunies pour organiser une élection présidentielle. Qu'est-ce que dit notre loi? Et moi, je ne cesserai jamais de dire que M. Ouattara est un voyou. Parce que ce n'est pas de l'injure. Mais c'est seul le voyou qui ne respecte pas de loi. Mais comment vous voulez-vous que je qualifie M. Ouattara? Bon, moi, sincèrement, pour le moment là, je n'ai pas encore de mots, d'autres mots, pour qualifier M. Ouattara. Je n'en ai pas pour le moment. Le jour où je l'aurai, je dirai, je n'ai aucun problème à M. Ouattara. Est-ce que quand vous regardez Alassane Ouattara, vous me regardez, on est de la même génération? On n'est pas de la même génération. Il est même âgé que mon géniteur. Même ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de mon papa, Ouattara est âgé que elle. Parce qu'elle n'a pas encore 78 ans. Je crois bien. Donc, est-ce que je peux avoir quel problème, quel de personne entre moi, il peut avoir quel problème de personne entre Alassane et moi? Même son fils David, peut-être David Ouattara, elle a la même promotion que mon papa. Donc, il ne peut même pas avoir un problème de personne entre David Ouattara et moi, le fils d'Alassane Ouattara. Un problème de personne. Moi, ce sont mes générations que je regarde. Donc, quand je dis que M. Ouattara est un voyou, je ne le dis pas parce que j'ai un problème personnel avec ce dernier. Non, parce qu'il viole la loi. Parce qu'il ne respecte pas la dignité humaine. Pourquoi je dis qu'il ne respecte pas la dignité humaine? M. Ouattara laisse des voyous, des délinquants, des drogués, des mercenaires libériens décapiter les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas un individu associer son image à toutes les crises en Côte d'Ivoire. C'est pas juste. C'est pourquoi je suis fier aujourd'hui de Guillaume Soro. Oui, ah, il n'a pas dit que c'est lui aujourd'hui là. Voilà, il n'a pas pris part aux élections. Pour eux, c'est une force. Et pour eux, comme le fait que Guillaume Soro n'a pas pu prendre part aux élections, c'est une faiblesse de la part de Guillaume Soro. Voyez-vous, ce n'est pas une faiblesse de la part de Soro Guillaume. C'est comme, tu as beau être garçon, deux braqueurs rentrent dans ta chambre avec deux kalachnikovs chacun. Et tu fuis par la fenêtre, c'est une faiblesse?
Je vous pose la question. C'est-à-dire, tu es dans ta chambre, un homme. Tu es dans ta chambre, tu n'as même pas de couteau. Tu es sur ton lit, tu es en train de causer, tu es en culotte. Et deux braqueurs cassent la porte de ta chambre, ils pénètrent sur toi, ils braquent sur toi des kalachnikov. Et tu arrives à t'échapper. Ce n'est pas une faiblesse, mais bien au contraire, tu as été fort. Donc le fait que Guillaume Soro se retourne, le 23 décembre, son avion se retourne et Guillaume Soro échappe de pas belle à une tentative d'assassinat, ce n'est pas de la faiblesse. Premier fait. Deuxièmement, quand Ouattara braque l'élection présidentielle d'octobre 2020 et qu'il écarte Guillaume Soro, ce n'est pas une faiblesse de la part de Guillaume Soro, mais ce n'est pas une puissance aussi de la part de M. Ouattara. Pourquoi je le dis? M. Ouattara a été opposant ici. Ils ont écarté sa candidature en 2000. Qu'a-t-il fait? S'il était aussi puissant dont on croit aujourd'hui, qu'a-t-il fait pour être candidat en 2000? Ils ont écarté sa candidature. Même en 2005, il n'a pas été candidat. Même en 93, il a tenté de violer la constitution, mais il n'a pas pu. S'il était puissant, il allait pouvoir faire, il allait pouvoir violer la constitution en 93 pour empêcher, comment il s'appelle, pour empêcher Henri Konan Bédié d'être candidat et d'être dauphin constitutionnel, mais il n'a pas pu. Donc si on devient président de la République pour 10 ans à la tête d'un État, tu as avec toi toute l'armée de Côte d'Ivoire, tu as pris l'argent des Ivoiriens pour équiper l'armée, pour équiper des milices, est-ce que tu mets tous les Ivoiriens? Est-ce que vous avez vu une fois M. Ouattara aller faire arrêter quelqu'un chez lui, lui-même M. Ouattara en personne, pour aller faire arrêter un opposant pour l'envoyer en prison? Non. Qui l'envoie pour faire ça? Ce sont les encagoulés. Ce sont des gens qui sont en armes. Ce sont des gens qui sont en tenue militaire, qui vont faire ces sales besognes. Ce n'est pas lui, M. Ouattara. Sinon, est-ce que M. Ouattara et Guillaume Soro, ils sont arrêtés deux, ils sont deux. On dit, bon, battez-vous, lui qui gagne devient président de la République. Est-ce qu'il y a un débat entre Ouattara et Guillaume Soro? On dit, bon, pour être président de la République, là, battez-vous. Lui qui gagne, lui qui fait tomber son ami, il devient président de la République. Est-ce que Ouattara même va accepter? Il ne va pas accepter. Donc, ce n'est pas une faiblesse pour les Ivoiriens de ne pas affronter les milices de Ouattara. Ce n'est pas par faiblesse. Un homme, quand on te dit, on vient pour te tuer, la première puissance d'un homme, c'est de fuir. Quand tu fuis, là, on t'appelle garçon. Sinon, un garçon, un corps sans vie, on ne peut pas t'appeler garçon. Et je prends l'exemple palpable de mon grand frère, père à son âme, Ibrahim Koulibaly, alias Ibé. Aujourd'hui là, est-ce qu'on peut dire encore, ah, parce que Ibé qui s'en va là-bas là, ah, Ibé, lui qui est là, c'est un garçon? Non. Pourquoi? Parce que il n'a pas pu échapper à ses bourreaux. Il n'a pas pu fuir pour se sauver. Ils l'ont attrapé, ils l'ont exécuté. Ça, c'est sous M. Ouattara. C'est pourquoi moi, en tant que jeune du Ouro-Dougou, tant que M. Ouattara ne fait pas la lumière sur l'assassinat de Ibé, jamais, je ne peux m'asseoir pour dire que cet homme est un homme de paix. M. Ouattara sait qu'il ne peut pas faire la lumière sur la mort de Ibé. Et c'est la même chose qu'il veut faire de Soro Guillaume. Alassane veut assassiner Guillaume Soro. Il ne veut pas Guillaume Soro pour le mettre en prison. Hein? C'est faux. C'est pourquoi je suis heureux de vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne se retrouve pas sur la liste des pays classés d'origine sûre. Hier, j'ai pas eu suffisamment de temps pour détailler ça. Qu'est-ce que signifie un pays classé sur la liste des pays d'origine sûre? Sans cela, même ce soir avant de venir faire le direct, il y a une maman qui m'a appelé. C'est une parenthèse parce qu'il m'a
faire couler les larmes. Elle m'a dit, le Seigneur, il est exactement 18h passé de 30-35 minutes ici en Abidjan. Je m'apprête à rompre mon jeûne de ce lundi. Dis à Guillaume Soro que je lui dédie ce jeûne pour sa vie. Vraiment, j'ai coulé les larmes. Guillaume Soro ne la connaît pas d'abord de vis-à-vis. Il ne l'a jamais vue. Elles sont nombreuses à Abidjan. En train de jeûner. Souvent les lundis, souvent les jeudis, pour que Guillaume Soro soit sauvé des babouses de M. Ouattara. Ibe n'a pas eu cette chance. Prions pour Guillaume Soro. Monsieur Ouattara ne pense pas à l'avenir du Nord. Monsieur Ouattara veut tout pour lui seul. Le jour où Monsieur Ouattara n'est plus en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il va craindre ce qui peut se passer? Ce n'est pas son problème. Sinon, si Monsieur Ouattara pensait un instant que le pouvoir dont il lui bénéficie aujourd'hui est éphémère et qu'à tout moment, lui, il peut quitter le pouvoir. Mais que deviendrait le Nord et les Nordistes après lui si M. Ouattara pensait à cela? Il ne pouvait pas Ouattara allait tout simplement créer les conditions pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il demande à Bédié de faire la réconciliation. En même temps, il tente à faire arrêter des opposants et il arrête même des opposants. D'autres sont exécutés. Avec cet homme, avec un tel individu, on peut aller à une négociation. Donc les gens disent, ah mais pourquoi Bédié a posé préalable pour dire, il faut que les Soro reviennent, il faut que les prisonniers soient libérés avant d'aller à la réconciliation. Non, à une réconciliation, on ne pose pas de problème. Ceux qui disent ça, vous êtes malades. Avec M. Ouattara, on pose des préalables pour aller à une élection et pour aller à une réconciliation. Pour aller à un dialogue avec M. Ouattara, on pose des conditions, on pose des préalables. Parce que c'est un homme qui n'a ni foi en l'honneur, ni parole d'honneur. M. Ouattara n'a aucun respect pour sa propre parole donnée. Et à cet individu-là, on croit à ça. Bédié a très bien fait de poser les préalables d'une négociation, d'une discussion, d'un dialogue. Laurent Gbagbo, est-ce que aujourd'hui, ce que M. Ouattara reproche à Guillaume Soro et ce que Gbagbo a reproché à Guillaume Soro, entre les deux faits, c'est quel fait qui fait plus mal? Guillaume Soro a pris la tête d'une rébellion qui a arraché une partie de la Côte d'Ivoire à Gbagbo Laurent. Guillaume Soro, du 19 septembre 2002, jusqu'à ce que Gbagbo accepte de signer un accord politique avec Guillaume Soro à Ouagadougou, Guillaume Soro avait le contrôle de 60% du territoire ivoirien sous Gbagbo. Gbagbo, malgré ça, a appelé Guillaume Soro pour lui dire, pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte de ce problème, il faut que toi, qui es à la tête d'une rébellion, et moi, Laurent Gbagbo, à la tête de la Côte d'Ivoire, il faut que nous nous asseyons pour discuter. C'est ça, quelqu'un qui a... quelqu'un qui pense à demain. Je vous rappelle, pour ceux qui sont un peu, je vais dire, frappés par l'oubli, un rappel. L'accord politique de Ouagadougou est l'initiative de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez entendu? Je n'ai pas parlé de Makoussi. Je n'ai pas parlé de Pretoria. Je n'ai pas dit Lomé, Togo, Bénin, Abuja, je vous ai pas. J'ai dit Ouagadougou. Le dernier accord ivoiro-ivoirien dans la crise ivoirienne, c'est Gbagbo Laurent qui l'a demandé. Le dernier accord à Ouagadougou sous l'égide de Blaise, c'est le président Laurent Gbagbo qui a laissé son orgueil, son ego à côté et qui a appelé Blaise Compaoré pour lui dire, cher homologue, je veux négocier avec Guillaume Soro chez toi pour sauver la Côte d'Ivoire, pour laisser les Ivoiriens tranquilles, pour que nous nous
apprenons à réavivre, pour que nous nous apprenons à reprendre le cours de la vie normale entre citoyens ivoiriens du nord et du sud. J'appelle Guillaume Soro à Ouagadougou, chez toi, pour qu'on s'asseye pour discuter. Ça, c'est du vrai Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, donc, la posture de Ouattara démontre que, en fait, il est le problème de la Côte d'Ivoire. Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo n'a pas fait 10 ans avant que la rébellion l'attaque. Hein. Gbagbo a fait que 16 mois de gestion de pouvoir. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit? Non. Je recommence. J'ai dit, Laurent Gbagbo, quand il a prêté serment le 22 octobre 2000, comptez de octobre 2000 au 19 septembre 2002, Gbagbo n'a même pas fait 2 ans de gestion de l'État de Côte d'Ivoire et une rébellion l'a attaqué. Laurent Gbagbo. Mais malgré ça, ils l'ont traîné partout dans tous les grandes capitales du monde pour aller signer des accords. Et puis aujourd'hui, je vois des amnesties, je vois des incultes traiter Gbagbo. Oui, il n'a rien fait. Il a fait 10 ans de pouvoir. Mais il faut être malhonnête. Gbagbo a fait 10 ans de pouvoir? Non. Non. Donnez-moi le nom d'un premier ministre de M. Ouattara, issu de l'opposition. Est-ce que ça c'est un bon débat? J'ai dit, je veux un nom, le nom d'un seul premier ministre de M. Ouattara, issu de l'opposition ivoirienne. On va compter ensemble le nombre de premiers ministres que M. Ouattara a eu durant ces 10 ans. On va s'asseoir calmement, on va compter. Et puis vous allez me dire, parmi eux là, qui est sorti de l'opposition pour être premier ministre de M. Ouattara? On va compter ensemble. Le premier ministre de M. Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Guillaume Soro était-il de l'opposition au moment où Ouattara le choisissait qu'il soit son premier ministre? Non. Deuxième premier ministre de M. Ouattara s'appelle Aoussou Jeannot. Était-il de l'opposition? Non. Il faisait partie de la coalition qui a envoyé Ouattara au pouvoir, RHDP. Le troisième premier ministre de M. Ouattara s'appelle Kablan Dinkan. Était-il de l'opposition? Non. Le quatrième premier ministre de M. Ouattara s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Était-il issu de l'opposition ivoirienne? Non. Le cinquième premier ministre de M. Ouattara s'appelle Ahmed Bakayoko. Était-il issu de l'opposition? Non. Ouattara a-t-il partagé son pouvoir pendant 10 ans avec l'opposition? Non. Je suis allé même très loin. Oh, le Seigneur, pourquoi toi aussi? Mais les gens disent que tu es intelligent, on dit que tu n'es pas intelligent. Pourquoi tu vas jusqu'au premier ministre? Un seul ministre de M. Ouattara n'a jamais été de l'opposition. C'est-à-dire, M. Ouattara, durant 10 ans, là, il n'a pas pris un seul Ivoirien qui a un avis contraire à celui de M. Ouattara, n'a jamais séjourné dans le gouvernement de M. Ouattara. On dirait que vous n'avez pas compris cette petite partie. Je recommence. J'ai dit, laissons les premiers ministres, parce que donner la primature à un opposant, c'est trop fort. Ça, c'est, si tu n'es pas Gbagbo, on ne fait pas ça. Si on n'est pas Gbagbo, là, on ne donne jamais la primature de son régime à un opposant. Depuis la Côte d'Ivoire, depuis le 7 août 1960, c'est Gbagbo seul qui a donné la primature à un opposant. Et Ouattara là, n'a jamais appelé un citoyen ivoirien issu de l'opposition dans son gouvernement. Jamais. Pendant 10 ans. Alors, de Gbagbo Laurent et Ouattara, qui en réalité a aimé la Côte d'Ivoire ou aime la Côte d'Ivoire?
Alors, on va me dire non. Si tu vois que Gbagbo, voilà, j'ai cité les premiers ministres de Ouattara, ils sont cinq jusqu'à maintenant, d'avril 2011, sinon de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ouattara a eu cinq premiers ministres. Ils sont tous issus de sa formation politique. Maintenant, on va aller prendre Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a eu quatre premiers ministres. Ouattara a déjà eu cinq pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, Gbagbo a eu quatre. On va les citer. Et puis ensemble, on va savoir s'il faisait partie de parti de Gbagbo ou bien s'il faisait partie de l'opposition. Gbagbo vient au pouvoir en octobre 2000, plus précisément le 22 octobre 2000. Le premier ministre de M. Gbagbo Laurent s'appelle Pascal Affi N'Guessan. Était-il issu de l'opposition? Non. Il faisait partie du Front populaire ivoirien de Gbagbo Laurent. On est tous d'accord. Le deuxième premier ministre de Gbagbo Laurent, c'est qui? Seydou Elimane Diarra. Était-il issu du Front populaire ivoirien? Non. Seydou Elimane Diarra est un cadre du PDCI-RDA. Gbagbo l'a pris comme son premier ministre. Est-ce que vous connaissez la place d'un premier ministre dans un gouvernement? Un premier ministre, c'est le chef d'orchestre d'un gouvernement. Un premier ministre, c'est la tour de contrôle d'un gouvernement. Un premier ministre, c'est celui qui met en exergue la vision politique du président de la République, qui veille à l'exécution du programme et du projet du président de la République. C'est ça le rôle d'un premier ministre. Il est comme l'unité centrale d'un ordinateur. C'est ça un premier ministre. Mais Gbagbo Laurent, à part Pascal Affi N'Guessan, il a partagé son pouvoir avec le PDCI qui était son premier ministre sous Seydou Diarra. Après Seydou Diarra, Gbagbo a pris dans son gouvernement en tant que premier ministre Charles Konan Bani, issu du PDCI RDA. Mais Gbagbo a fait mieux que ça. Gbagbo a pris le chef de la rébellion de M. Ouattara, Guillaume Soro, pour faire de lui son premier ministre. De 2007 jusqu'en 2010. Ça, c'est du Gbagbo Laurent. Il n'était pas obligé, mais pour l'amour, pour la Côte d'Ivoire, il a fait. Gbagbo Laurent, est-ce que vous savez pourquoi Gbagbo en veut à Soro? Et puis, moi, en tant que soroïste, je suis objectif et je suis réaliste. Je soutiens, c'est-à-dire, je comprends. Bon, je ne soutiens pas parce que. Même quand tu as raison, il faut savoir pardonner. Je comprends l'attitude de Gore et de Gbagbo Laurent vis-à-vis de mon mentor. Je vous jure la main sur le cœur. Mais je leur dis, le pardon est divin. Le pardon là vient de Dieu, est divin. Quand on sait pardonner, on est homme de Dieu. Quand on sait pardonner, on est Dieu. Le mot pardon, c'est Dieu en réalité. C'est pourquoi c'est difficile de dire pardonne-moi. Même dans un couple entre mari et femme, c'est-à-dire que mari et femme là, ils ne partagent pas quoi? Un mari et puis sa femme, eux, ils ne partagent pas quoi dans leur vie? Et vous partagez déjà votre humidité. C'est-à-dire, si quelqu'un, déjà, tu partages ton intimité avec quelqu'un, vous ne partagez pas quoi dans la vie. Mais souvent, il arrive que il y a problème dans le couple. La femme n'a pas raison. Mais pour demander pardon à son homme-là, c'est difficile. Elle préfère demander l'amour que de demander pardon. Pour elle, l'enlever la leçon est facile que de demander pardon. Vous, les femmes, l'arrêtez. Hein? Demandez-nous pardon. Parce qu'un homme, quand tu lui demandes pardon, quelle que soit sa colère, il sourit, il tourne le dos. Il veut pas que tu vois son sourire. Il tourne un peu le dos, il commence à sourire. En tout cas, moi, je sais que moi, c'est comme ça. Mais tout le monde est comme ça. Mais ce n'est pas une faiblesse. Parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure que le pardon est divin. Ça vient de Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le pardon. Donc, une femme,
qui sait que son mari est en colère et qui demande, chérie, pardonne-moi. Mais ça finit. Je souris et puis ça finit comme ça. La ouate. Mais même l'homme même, il sait qu'il a fauté et madame est fâchée. La nuit approche. Il faut demander pardon. Ça fait quoi? Surtout quand la nuit approche. Hey, il faut demander pardon. Parce que si c'est dans la journée, tu peux te jouer au gangaba. Tu peux aller voir tes amis et puis ça va passer. Hé, hey, reviens vite, la nuit approche. Demande pardon. Le pardon est divin. Donc, nous là, j'ai plus aimé Guillaume Soro le jour où à l'Assemblée nationale, il s'est levé en avril 2017 pour dire « Je demande pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu commettre comme erreur, comme faute, comme mal à ma patrie. » Et tu... C'est pourquoi pardonner à Guillaume Soro doit être facile pour tout Ivoirien, sauf Ouattara. Parce que Ouattara est un Burkinabé. Un Burkinabé, là, moi, je ne connais pas la psychologie des Burkinabés. Mais je comprends, monsieur Ouattara. Le comportement de Ouattara n'est pas le comportement d'un Ivoirien. Est-ce que pour vous expliquer ça, on a besoin d'aller sur la Lune? Ou bien vous, pour que vous compreniez ça, là, il ne faut pas aller sur les étoiles, ou bien sur la Lune. Mais sur quelle autre planète? Ouattara n'a pas comportement d'ivoirien. Je ne dis pas qu'il n'est pas. Mais il n'a pas comportement d'ivoirien. Mais bon, d'accord. Est-ce que moi, j'ai été ministre de Ouattara? Je n'ai jamais été son collaborateur. Mais allez-y demander à Montano. À Montano a dit quoi le 10 octobre au stade Félix Mbeni? Ce que Ouattara nous fait là, aucun ivoirien ne nous ferait ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce que moi j'ai dit et ce que à Montano a dit là, il y a différence? Moi j'ai dit. Ivoirien n'est pas rancunier, mais Ouattara est rancunier. Ce n'est pas comportement d'Ivoirien. Ivoirien pardonne vite, mais Ouattara ne pardonne pas vite. Ce n'est pas comportement d'Ivoirien. Babo Laurent, c'était l'homme qui pouvait ne jamais parler à Guillaume Soro. Et puis on allait dire, il a raison. Mais il a parlé à Guillaume Soro. Mais quelqu'un qui te dit, toi Guillaume, tu as pris les armes contre moi. Pour moi, ce n'est pas grave. Mais tu es en train de me combattre pour quelqu'un que tu ne connais pas. Le plus chanceux d'entre vous là, il sera en prison ou bien en exil. Sinon, c'est la mort. Mais c'est quoi? Je vous donne trois cas. Babou a dit quoi? Le plus chanceux d'entre vous sera en prison ou bien en exil. C'est-à-dire, les plus chanceux d'entre ceux qui ont frappé le régime de Babou pour Ouattara là, Babou a dit que le plus chanceux d'entre vous sera en prison ici à Abidjan ou bien en exil hors de la Côte d'Ivoire. Sinon, au cimetière. Babou a dit trois choses, non? Cimetière, exil, en prison. Ok. Je vais vous citer trois personnes et puis on va ensemble dire où ils sont. Quand je vous dis soutoussoul, qu'est-ce que ça vous rappelle, quand je dis Soul to Soul, qu'est-ce que ça peut vous rappeler? Soul to Soul, il est du là, hein, il vient du nord. Soul to Soul, qu'est-ce que ça vous rappelle? Moi, j'étais à Boaké. J'ai eu cette chance pendant la rébellion d'être à Boaké. Quand Soul to Soul fabriquait un cercueil pour symboliser le cadavre de Babo, pour aller à l'ONU, pour aller dire à l'ONU, on est venu déposer le corps de Babo en 2005. Que nous, on veut Ouattara. D'accord? Soutoussoul, il est où aujourd'hui? Soutoussoul est en prison. Donc, lui au moins, il est parmi les chanceux. Parce que Babo a dit que les chanceux seront en prison. Donc, Soutoussoul est en prison. Mais quand je dis ça, pour dire que Soutoussoul a fabriqué ce que je ne m'arrête pas là. Il a été objet d'attentat contre son avion. Paralysé. Et c'est Babo qui le soignait à Abidjan. Il est où aujourd'hui? En prison. Qui l'a mis en prison? Laurent Babo. C'est pas Ouattara, c'est Babo qui l'a mis en prison. Babo reste à la CPI, il met Soutoussoul en prison. Eh hey, Babo, you be you. Ça c'est un. Donc Soutoussoul est parmi les chanceux. Guillaume Soro. Qu'est-ce que ça vous rappelle, Guillaume Soro? Quand je dis Guillaume Soro, dans le système de Ouattara, dans le combat de Ouattara, qu'est-ce que ça vous rappelle? Guillaume Soro a été l'homme
qui a décidé de sortir sa tête pour dire ce n'est pas Ouattara, c'est moi, le chef rebelle, pour couvrir Ouattara. Mais dans la couverture que Guillaume Soro a préparée pour Ouattara, en 2007, quand Gbagbo le nomme Premier ministre, 3 mois après, on attaque son avion. Il a été nommé Premier ministre en mars, le 4 mars 2007. Le 29 juin 2007, son avion, Fokker 100, objet d'attentat suicide. Le RDR. Guillaume Soro est où aujourd'hui? Gbagbo a chassé Guillaume Soro, il est en exil. Eh, Gbagbo, you be you. Gbagbo a chassé Guillaume Soro, il est en exil. Ça s'appelle deux personnes. Donc, voici les deux chanceux. Quand il dit Guillaume Soro en exil, là, il est en exil avec beaucoup de ses collaborateurs. Et voilà. Tcho! Guillaume Soro. Ole Belilema. Gbagbo t'a dit où? Attendez, il y a bloqué maudit là. Donc, Guillaume Soro n'est pas en exil lui seul. Hein? Ils sont nombreux derrière lui ici. Si on veut tout citer aujourd'hui, on va quitter ici. Député Issa Fofana, il est ici en exil. Moussa Touré, en exil. Ablaye Fofana, commandant, en exil. Djibonan Kone, en exil. Tomac, en exil. Dramanma, en exil. Zebre Suleiman, en exil. Tracteur, en exil. Je ne peux pas tout citer. Bon, nous-mêmes là, tu n'as pas qu'à venir à Abidjan aujourd'hui. Donc, je suis en exil. J'ai mon passeport, j'ai mon séjour, tu es prêt. Ça veut dire que moi, je veux faire fête de fin d'année à Abidjan là. Tu n'as pas qu'à. Je ne peux pas. Bon, moi, ma grand-mère a 125 ans le 25 novembre, mais on a célébré ça le dimanche en même temps. Mais toute la famille est mobilisée. On a acheté beurre, toute la famille est mobilisée. Mais je ne peux pas partir. Donc, je suis en exil. Un amiral blindé comme ça, il peut aller en Côte d'Ivoire. Moi-même, pour moi, c'est bon. Enfin, moi, je suis noir, je peux me faufiler. Mais comme il y a fait d'empreinte à l'aéroport maintenant, là, ça cause ça. Donc, j'ai parlé des exilés et des prisonniers. Eux là, ce sont les chanceux. C'est ce que Gbagbo a dit. Et puis c'est vrai, parce que quand tu respires, c'est que tu as encore la chance pour survivre. Je vais vous parler d'un homme exceptionnel qui a été garde du corps de Alassane Ouattara. Je vais vous parler d'un homme exceptionnel qui a été l'instigateur du coup d'état de 24 décembre 1999 qui a fait rentrer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle en même temps qu'en 1999, avant le coup d'état, Ouattara était en France. Il dit, je frapperai ce régime moribond et il tombera comme un fruit pourri. Et je rentrerai dans mon pays avant la fin d'année. La fin d'année, c'est le 31 décembre. 6 jours avant le 31 décembre, c'est-à-dire le 24 décembre, où M. Ouattara a frappé un coup d'état et il est rentré avant la fin de l'année en Côte d'Ivoire. Mais le chef d'orchestre de ce coup d'état, le chef d'orchestre de la rébellion du 19 septembre 2002 pour M. Ouattara, est où aujourd'hui? Je vais parler de mon grand frère, paix à son âme, que son âme repose en paix, Ibrahim Koulibaly. Sergent-chef Ibrahim Koulibaly, IB. IB n'a pas eu la chance que Guillaume Soro a eue. C'est-à-dire aller en exil. IB n'a pas eu la chance de bénéficier d'une prison à perpétuité même s'il voulait. Mais il n'a pas eu la chance. Il a été froidement assassiné par Alassane Ouattara. Le 27 avril, un mercredi, 27 avril 2011. Monsieur Ouattara, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Et quand on dit ça, on dit, oh petit là, il parle mal, il insulte Ouattara. Quoi? Donc quand moi je dis à Ouattara qu'il est génocidaire, est-ce qu'il meurt? Moi, je préfère que Ouattara soit heureux d'entendre qu'il est génocidaire et puis on ne lui fait rien. Ouattara doit s'estimer heureux parce que le jeune innocent Kwasi de Daokro n'a pas eu cette chance, a été décapité à la machette
Mon Dieu. Quand on tue un être humain, même à fusil, encore mieux qu'à la machette. Est-ce que vous nous imaginez d'abord la douleur avant de perdre le son, avant de perdre l'âme? Ouattara n'a pas eu de remords. Ouattara n'a pas été inquiété quand en une seule journée en bateau, il y a eu 35 morts. En une seule journée, Ouattara n'a jamais été inquiété. C'est dommage. Je ne vais pas citer Ouattara. Parce que Ouattara n'a pas... Pourquoi je n'ai pas cité Ouattara? Bon, pour des raisons qui me sont propres. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais tous ces gens se sont battus pour Ouattara. On a vu leur fin. On a vu leur fin. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, en tout cas, j'avais voulu passer une heure à votre compagnie. Je vous rappelle que nombreux de nos followers n'arrivent plus à nous suivre, mais ce n'est pas bien grave. On va faire avec ceux qui arrivent, qui voient, qui reçoivent des notifications. On appelle ça la mesure de restriction. Et je vous rappelle que M. Ahmed Bakayoko a engagé, n'est-ce pas, des babouzes pour ça. Rien que réduit au maximum notre champ, notre audience, voilà. Mais ce n'est pas grave chez nous. On a 100 personnes. Au fur et à mesure, les Ivoiriens écoutent un peu. Vous voyez, après mon débat d'hier, j'ai coupé des parties pour balancer sur les réseaux sociaux. Allez-y, voir ça fait combien de vues. C'est ça. Les Ivoiriens, au fur et à mesure, verront les vidéos. Mais en direct, beaucoup ne reçoivent pas de notifications. D'accord? Olivette Oga, sois saluée depuis ta position. Et puis, j'avais oublié de saluer celle-même qui fait battre mon cœur en ce moment. Assetou Ouattara, bisous à toi. Je prends en témoin la communauté nationale et internationale ici pour te faire bisous. Assetou Ouattara, ça c'est mon cœur ça. Les autres là, bon, je n'ai rien dit, j'ai dit Assetou aujourd'hui là à bénéficier des bisous. Mais pour vous, ça peut venir, il n'y a pas, jalousie là, c'est pas bon. Peut-être que demain là, je peux dire. Voilà. En tout cas, ce que Assetou fait, si tu fais, bon, il n'y a pas de problème, tu peux être mon cœur. Merci à toi encore une fois de plus, ma très chère Coco. Chérie Coco Assetou Ouattara depuis ta position. Bisous encore. Yeah. J'ai envie de faire bisous là jusqu'à... Mais bon. Bisous. La toute présidente ONG Cœur d'Or. Elle est spécialisée dans... Quand on dit ONG Cœur d'Or. Donc, je n'ai pas eu tort de dire que celle qui fait battre mon cœur. Elle a une ONG qui s'appelle ONG Cœur d'Or. Et Abidjan. Et cette pauvre dame. Bon, je vais passer 2 minutes sur... Parce que quand j'ai senti qu'elle est là, mon cœur a commencé à battre. Donc, il faut que je parle un peu. Donc, elle, son ONG, c'est quoi? C'est une ONG, s'il vous plaît, c'est une ONG apolitique. Voilà. Ne regardez pas la tête de l'OCDE pour dire, ah bon, c'est une soroïste. Non. Laissez assez tout, ceux ou celles qui veulent l'approcher. Elle est dans le social. Et nous, comme nous, on veut gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Donc, on travaille avec tous ceux qui veulent apporter leurs pieds à l'édifice, leurs pieds. Ceux qui... Bon, elle, par exemple, joue une petite parenthèse. Elle, à Abidjan, sur fonds propres, avec ses petits moyens, elle arrive à satisfaire des nécessiteux. Elle travaille comment? Périodiquement. Par exemple, quand on dit, prends l'année scolaire, mais tu vas la voir partout dans Abidjan là. Dans les quartiers précaires où tu vas aller trouver même que la femme est en train de préparer, c'est l'eau chaude qui est au feu, il n'y a pas riz dedans. Elle fait ça pour ne pas que le voisinage sache que non, elle n'a rien à manger. Assetou vient, elle cache sac derrière, elle dépose. C'est des personnes à encourager. C'est pourquoi je dis, elle fait battre mon cœur. Ça, c'est un exemple. Pendant les années scolaires, la rentrée scolaire, par exemple, elle vient. Les enfants sont arrêtés devant la porte, ils n'ont pas sac pour aller à l'école. Ils n'ont même pas kaki. Elle dépose et puis elle s'en va. Sac, les petites choses, les fournitures scolaires. Mais pendant les fêtes de Tabaski, Assetou achète des bœufs. Et Assetou,
Bisous à toi. Dieu n'a pas fait... Dieu fait rien pour rien. Dieu met sur nos chemins les personnes qui nous ressemblent. Ou bien aux personnes qu'on ressemble. Peut-être que c'est moi qui ressemble à c'est tout. Voilà. Parce que c'est comme un jour, on était, je crois, on était au CP2 au CE1. Il y a mon voisin de classe qu'on appelait Kone Abdoulaye. Kone Abdoulaye ressemblait beaucoup à son papa, comme moi d'ailleurs. Eh, le Seigneur, tu aimes trop faire ton atalaku. Mais je suis joli. Donc, Kone Abdoulaye ressemblait beaucoup à son papa. Un jour, le papa de Kone Abdoulaye vient en classe. Parce que Kone Abdoulaye faisait l'école missionnaire. Quand il quitte à la maison, il dit il vient à l'école, arrivé. Parce qu'il était nul en classe en plus. Et c'est lui chaque fois qui lapidait les manques non mûrs à l'école là-bas. On le prend, on le chicote. Donc, chaque fois, on faisait venir son papa pour venir parler à lui, machin et tout ça. Donc, un jour, comme il ressemble beaucoup à son papa, le maître me demande, ah, c'est ton papa? Il dit oui. Il dit, ah bon? Ah ouais. Il dit au maître que, oui, tu vois, mon papa me ressemble beaucoup. Le maître dit, non, c'est toi qui ressembles à ton papa. Il dit, non. Comment ça? Il dit, c'est mon papa qui me ressemble. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Moi, il peut ressembler à c'est tout. Donc, moi, c'est moi qui ressemble à c'est tout. Donc, Assetou Ouattara, sois salué depuis ta position, ma très chère, ma belle. Alors, mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi ce soir de venir vous parler, de venir vous rassurer que M. Guillaume Soro, par la grâce de Dieu, hein, j'ai eu l'honneur immense de quand même savoir l'état d'esprit de l'homme. Il a, je vais dire, un mental de combattant. Guillaume Soro, il ne cesse de nous surprendre. Il nous a dit, même si on reste 10, mais actuellement on est plus que 10. Donc la marche continue. Ouattara pense que, Guillaume Soro, c'est Dieu qui est dedans. Monsieur a un destin, c'est ce qui me rend fier de lui. Monsieur, c'est un homme de mission, comme il aime le dire. C'est pourquoi je ne vais jamais abdiquer à ce combat. C'est pourquoi je suis... Yéri, j'ai pris une décision aujourd'hui qui va me permettre de me réarmer encore pour continuer ce combat. Même si on doit demeurer en exil 10 ans pour accompagner Guillaume Soro, nous le ferons. Parce que je vais être dans l'équipe qui va monter dans vol pour aller déposer Guillaume Soro à Abidjan. Mais pour réussir ça, il faut être fort. Le combat de ce monsieur, il n'a jamais dit à quelqu'un que son combat serait facile. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Venez me suivre, on va prendre pouvoir à... Jamais. Il dit, même si nous restons 10, on marche et ça va continuer. Donc, j'invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ont foi pour dire, cet homme-là mérite qu'on l'accompagne. Je sais de quoi il vous parle. Mais c'est pas tout, on vient dire. Non. On parle beaucoup, mais on sait ce qu'on dit. Voilà, ça, vous devrez quand même comprendre ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Et lui seul a le secret de son combat. C'est pourquoi il regarde tout le monde partir. Et puis il dit ici. Donc quand quelqu'un va, sinon, de vous à moi. C'est-à-dire, bon, ça c'est causerie maintenant, sinon le direct est fini. Mais causerie, de vous à moi. Guillaume Soro, pour certains humains comme nous, on s'assoit souvent, on dit, monsieur là, il reçut combat là comment? Tout le monde n'est parti chez Alassane. Non, tout le monde n'est pas parti chez Alassane. Moi, quand je vous dis que même le samedi, entre 20h et 21h, j'ai causé avec un ministre de Ouattara. C'est-à-dire, lui là, il est chez Ouattara, mais il n'est pas à Ouattara. Ils sont pleins comme ça. Mais tout le monde n'est pas Guillaume Soro. Comprenez ça comme ça. Tout le monde ne peut pas diriger une armée désorganisée qu'on appelle rébellion. Et puis réussir ça. Non. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Une rébellion là, ce n'est pas comme
un parti politique ou bien une famille entre monsieur, madame, les enfants. Non. Une rébellion. Quand nous, on était à Boaké, je n'étais pas rebelle. Hein. Mais j'étais admirateur des rebelles. Mes grands frères étaient rebelles. Mais nous, on partait à l'école, on partait dans la rébellion. Donc, mais quand tu rentrais souvent dans leur camp militaire, derrière nos grands frères, c'est des personnes qui sont venues d'horizons divers. Ils ne se connaissent pas, ils sont tous en armes, ils se tuent en désordre. Mais Guillaume Soro a réussi à réorganiser ça. C'est pourquoi quand j'entends les gens, Guillaume Soro, ah, il a profité de la rébellion pour Yekatéibé, c'est un profiteur. Hey. On peut profiter d'un pouvoir légalement élu, comme le pouvoir d'Alassane là. Voilà, ce sont les Adjoumani qu'on appelle, ils viennent, ils profitent. C'est-à-dire que les Guillaume Soro là, ils ont fait travail en amont. Ils ont travaillé à ce que Ouattara soit au pouvoir. Et ceux qui combattaient Ouattara, dès que Ouattara était au pouvoir, ils ont plongé dans le pouvoir là. C'est eux qu'on appelle profiteurs. Sinon, quelqu'un qui vient prendre la tête d'une rébellion, non, c'est pas profiter ça. C'est pas le bon thème. La rébellion là, on appelait les Ahmed Bakayoko, les Amadou Gon, les Amontano, venez vous déclarer. Et dit, moi, non. Guillaume Soro, il a dit un jour que pour moi, prendre une balle un jour pour Ouattara, c'était une chose normale pour moi, un jour. Allez-y, demandez à Sam Boukari. Demandez à tous ceux qui ont entendu parler de Sam Boukari. Pour aller derrière Sam Boukari, là, les chefs de guerre ont dit à Soro, Guillaume, reste à Boaké. Il dit, mais comment? Il était dans le cortège pour que lui-même, il allait parler de vive voix avec Sam Boukari. Guillaume Soro l'a fait. Oh, et Dieu, ça fait souvent mal, mais ça fait rire souvent. C'est ça la vie. En fait, quand tu n'es pas confronté à des épreuves là, être humain là, tu ne le connais pas. Pour connaître un être, l'être humain, dans tout le vrai sens d'être humain là, pour le connaître là, faut être confronté à des difficultés de la vie, à des épreuves rudes. Bon, quand tu es croyant d'ailleurs, quand je dis croyant, tu peux être musulman croyant, chrétien croyant, mais je prends le cas des musulmans. Nous, on croit, nous, on dit on est musulmans là. Notre miroir, c'est qui en tant que musulman? C'est le prophète de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohamed, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attends, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du prophète, mais pour Guillaume Soro là, c'est quoi ça? Mais le prophète là, lui parlait avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Malgré qu'il était en mission pour Dieu lui-même, qu'est-ce que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas subi? Donc, je suis en train de vous dire que quand tu vois deux garçons et puis un appelle un garçon, c'est que un a fait ce que l'autre ne peut pas faire. C'est-à-dire, quand tu vois deux garçons marcher et puis un dit à son ami, lui là, c'est un garçon, hein, entend les deux en même pile, mais un dit que lui là, c'est un garçon, c'est que il a fait ce que l'autre ne peut pas faire dans sa vie. Guillaume Soro est un garçon. Tous ceux qui sont dans le gouvernement et Ouattara, commencé par Ouattara lui-même, ont tous témoigné que Soro Guillaume est un garçon. Oh, ils sont tous garçons, hein. Mais eux, ils disent que oui, c'est vrai qu'eux sont garçons, mais Soro est garçon. Parce que si une femme te dit que tu es garçon, bon, elle a dit que tu as pine. Mais quand un garçon te dit que tu es garçon, il n'a pas dit que tu as pine, hein. Il dit que lui là, moi, je banne, mais lui, banne mille fois que moi. Lui, là, il fait des choses que moi, là, je ne peux pas faire. Je n'ai même pas encore fait, je ne peux pas faire. C'est ça, un garçon. Et moi, je veux ressembler à ces gens-là. Moi, je veux que mon ami garçon me dise un jour, lui, là, petit, là, tu le vois comme ça, là. Il n'est rien, non, mais c'est un garçon. Mais pour ressembler, pour être parmi ceux-là, il faut faire ce qu'un garçon fuit. C'est pourquoi ce combat-là, quand Guillaume Soro dit, même si on reste 10, vraiment, regardez ma tête, hein, écrivez aujourd'hui, écrivez.
je serai parmi les 10 qui vont l'accompagner. Parce qu'il sera là-bas. Abidjan, là, il va partir. Et il sera président Côte d'Ivoire. Donc, n'écoutez pas les esprits malins qui disent « Ah, Guillaume Soro ne peut jamais être... » C'est Dieu qui a dit ça. C'est quel prophète qui est venu dire que non, Dieu m'a envoyé pour venir dire à Ouattara que Guillaume Soro ne sera jamais président. Bon, la preuve. Très simple. Pour finir. La preuve aujourd'hui. Vous voyez les militants cyberactivistes RHDP, ils disent quoi aujourd'hui? Ah, c'est les soroïstes, Ahmed Bakayoko reçoit, c'est les soroïstes, Ouattara reçoit aujourd'hui. Quand tu es soroïste, ça, pour eux là, nous les cyberactivistes d'abord même là, pour eux, on n'est pas être humain. Tellement ils nous regardent, tellement ils sont fans de nous, eux-mêmes là, ils sont fans de nous. Pourquoi ils sont fans de nous? Parce que nous, on ne marchande pas notre dignité. Et n'importe qui sera fan de toi. Et dans le combat que je suis là, mon papa, il n'est pas d'accord, mais il est fan de moi. Il est fier de moi. Ça, je le dis clairement. Je ne cache pas ça. Pourquoi? Parce que il sait que quand on vient me dire que mon fils dit ça, il est comme ça, c'est parce que je ne suis pas avec eux. Sinon, si petit là, ceux-là, ils vont pas me dire, ils vont dire qu'il est bon. C'est que, petit, moi, je t'ai pas dit faut faire, hein. Mais tu as choisi, tu es dedans. C'est comme ça. Et n'importe qui sera fier de Guillaume Soro pour l'avoir comme enfant. Un jour, ils sont partis. Et bon, je ne vais pas arrêter direct là, c'est trop doux. Un jour, et je ne voulais pas dire ça, mais bon, je vais dire. En fait, c'est l'histoire des hommes. Hein. Un jour, on dirait son parti Thomas, mes parents, machin. Un jour, je causais avec mon papa. Parce que nous aussi, il faut comprendre les parents. Hein. Il faut les comprendre. Voilà, ils sont sous beaucoup de pression. Il faut les comprendre. Mais chacun de nous doit faire un effort pour convaincre son papa pour dire que mon combat la laisse tomber. Faut pas m'encourager. Je dis, ok. Moi, je vais vous dire une chose. Pendant la campagne de Ouattara, là, la prétendue campagne passée, là, j'ai une vidéo de mon papa ici. Mon papa, mon propre père. Où il disait que... que eux vont faire 120% pour Alassane Ouattara. Mais c'est une vidéo, un jour, j'ai lui parlé. J'ai lui dit, tu as fini de faire 120%. Tu ne sais pas que quand on dit 120%, tu as triché. Papa, tu as triché. Mais tu ressembles à Alassane Ouattara. 120% n'existe pas à une élection. C'est-à-dire que si tout le monde vote à une élection, on appelle ça 100%. Mais quand il y a brouillage d'une, on appelle ça 120 ou bien 130 ou bien 110%. Mais Alassane a démontré ça. Lui, il a eu 94,27%. Kakabe a eu 1,4%. Donc, quand on fait le décompte, ça dépasse 100%. Donc, un jour, je vais vous conter cette petite histoire et puis on va finir par là. Soro Guillaume était en prison quand il était étudiant à l'école de police. Il y avait deux Soro en prison. Alors, en prison, il y a un Soro qui est décédé en prison. Maintenant, comme en ce moment, il n'y avait pas Facebook et puis les télévisions là, n'étaient pas trop développées, son papa, écoutant la radio un jour matin, apprend que Soro est décédé en prison. Donc, son papa, pour lui, c'est son fils Guillaume Soro qui est décédé. Parce qu'on a dit Soro est décédé en prison et tout ça. Donc, son papa a pris son car pour venir jusqu'à Abidjan. Et son papa était l'ami de Wassena Kone, qui était ministre de la sécurité en ce moment, qui a attrapé Soro Guillaume. Son papa est venu dans le bureau de Wassena Kone. Et son papa, il vient dans le bureau de Wassena Kone pour lui dire, bon, j'ai appris que mon fils est décédé, je ne suis pas venu te demander sa libération, mais je suis venu pour que je puisse avoir au moins son corps pour aller l'enterrer. Hein? Ça, c'est un père de famille, ça. Et donc, Wassena était surpris. Il dit, mais comment
ton fils est mort. Non. Il dit non, en fait. Donc le papa de Soro dit non. À la radio hier, j'ai entendu que Soro est mort. Il dit non, mais Soro Guillaume n'est pas mort. Il est en prison. Il est à l'école de police. Donc il dit bon, attends. Pour que toi-même, tu puisses voir de tes yeux que Soro n'est pas mort. Ils sont partis chercher Guillaume Soro à l'école de police. Pour venir dans le bureau de Wassé Nakone. Pour que son père puisse le voir. Donc Guillaume Soro, lui... Son papa était assis pour donner dos à la porte. À la porte à laquelle Guillaume Soro devrait rentrer. Donc Guillaume Soro, son papa est assis face à Wassina et Guillaume Soro rentre dans le dos de son papa. Et il a reconnu son père du dos. Il dit, mais quand il a vu son papa, il était un peu fâché. Il était un peu vraiment... Pour lui, son papa est venu demander pardon à Wassina de le faire libérer. Or, son père pensait qu'il est mort en prison parce que le radio avait annoncé la mort d'un certain Soro. Donc, Wassena dit en même temps, mais voici Soro, il n'est pas mort, il est là. Il dit, bon, son père dit, bon, d'accord, comme je l'ai vu. Vraiment, je pensais que c'est lui qui était décédé parce qu'il a entendu à la radio. Mais comme il est encore vivant, je ne suis pas en tout cas venu demander sa libération. Moi, donnez-moi la route, je vais me retourner et il va retourner là où il était. Un jour, j'ai conté cette histoire à mon papa. Il dit, donc, tu veux me dire, si les gens arrivent à te manipuler contre moi, c'est que le père de Soro est mieux que toi? C'est que tu vas me dire que tu n'es pas un homme? Un homme, quand il voit son enfant dans un engagement qui n'est pas du vol, qui n'est pas de la criminalité, il lui fait des bénédictions. Je ne dis pas qu'il lui dit, va forcément. Mais il lui fait des bénédictions, il lui dit, il lui donne des conseils pour qu'il puisse être correct dans ce combat. Il dit, tout ce que je te demande, c'est ça. Mais moi, je veux, c'est-à-dire, moi, je veux être un jour sur mandat d'arrêt où on dit, le CENI veut être président, ça connaît ça, Guillaume Soro l'a chassé de la Côte d'Ivoire, ça connaît ça. Moi, je veux ressembler à ça. Vous pensez que moi, je ne suis pas ambitieux. Un jour, moi, je veux qu'un jour dans mon pays aussi, Guillaume Soro est peur que si petit là, il est sur la scène politique, on dirait qu'il va m'arracher la présidence. Et puis il me chasse. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que le combat dans lequel nous nous sommes engagés, c'est un combat d'endurance. C'est pour vous dire que dans le combat dans lequel nous nous sommes engagés, c'est un combat aujourd'hui spirituel. C'est un combat noble. Et quand tu sens ou tu sais et que tu es convaincu que le combat dans lequel tu es, c'est un combat noble, tu ne peux qu'être fier tous les matins que tu te réveilles. C'est pourquoi ce matin, ceux qui ont suivi ma vidéo, je n'avais pas quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est parce que quand je me réveille et je me dis, mais donc Lucélie, donc toi tu es parmi des gens qui vont amener la Côte d'Ivoire à sortir du gouffre. Donc, Lucien, donc toi tu fais partie des gens qui parlent de la Côte d'Ivoire de demain. Donc tu fais partie des gens qui veulent la démocratie. Mais Lucien, tu es un homme. Donc voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. C'est comme ça que moi je vois ce combat. Donc quand on est convaincu de quelque chose, fonce, va, bouge, fonce. Et puis, la porte ne fera que s'ouvrir. C'est comme par exemple, quand tu dois aller au champ. La route qui mène de la maison jusqu'au champ. Il y a des tournus. Mais il ne faut pas que les tournus t'empêchent à arriver au champ. Mets-toi dans ta tête que toi, tu vas au champ. La route, qu'elle soit rectiligne ou bien, c'est pas ton problème. Débrouille-toi à atteindre le champ. Mais c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Ce combat est comme ça. Nous, là, notre objectif, c'est de sortir la Côte d'Ivoire du joug de Ouattara. C'est pour sortir la Côte d'Ivoire de la dictature de Ouattara. Notre objectif, c'est ça. Et tant que cela n'est pas fait, pourquoi baisser les bras? Mais c'est que c'était mieux de ne pas commencer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je vous donne rendez-vous pour la fin de ce combat. Et nous verrons qu'est-ce qui deviendra la Côte d'Ivoire. Ce que sera la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes frères et sœurs, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi ce soir de causer un peu avec vous. C'est comme ça souvent, il faut. Voilà. Donc, sinon, généralement, c'est une heure, bien 30 minutes, machin. Mais, estimons que ce soir, nous avons largement échangé, causé, voilà, parlé de tout et de rien. En tout cas, c'est pour vous rassurer. Soyez sereins, soyez optimistes. Nous irons très loin. Bonsoir chez vous. À très bientôt. Bonne nuit à toutes et à tous.